Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session RIICATRA que nous organisons en modérant avec Guillaume Baudry de Nancy et pour ma part Clément Delmas à Toulouse. Et on a la chance et l'honneur d'avoir le professeur Erwan Fleischer qui est chirurgien cardiaque à Rennes et qui va nous parler des avis d'experts de la transplantation cardiaque et on va un petit peu discuter, comme tu l'as appelé, des règles du jeu. Merci beaucoup Erwan d'avoir accepté cette invitation et puis on t'écoute avec attention. Bonjour à tous. Merci surtout à toi, Clément, pour ton invitation, ton dynamisme et puis pour maintenir ces cours d'insuffisance cardiaque là. C'est super. Bravo. Donc moi, tu m'as demandé de parler un peu de l'allocation et des expertises, comment ça marche et mon point de vue là-dessus. Alors allons-y. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt en matière de transplantation, hormis. Puisque je vais en parler quand même, c'est d'être moi-même expert pour la partie cœur, en tout cas auprès de l'Agence de la biomédecine depuis plus de 10 ans. Et on va rentrer tout de suite dans la problématique. Le problème, c'est que vous le savez, parce que je pense que la population est quand même au courant, malheureusement, on ne peut pas greffer tout le monde. Il y a une inadéquation importante entre l'offre et la demande, entre les demandeurs et les receveurs. Alors, ça dépend un petit peu des années, hein. Mais il y a 2,2 receveurs à peu près pour un donneur. Voilà. Donc, il faut se partager les greffons. Et vous allez voir que selon les pays, voilà, les politiques de santé peuvent être différentes. À qui allons-nous donner cette denrée rare? Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il a bien fallu élaborer des règles du jeu dont on va discuter maintenant. Elles sont critiquées et critiquables, naturellement. L'idéal aurait été le plein emploi, entre guillemets, du greffon, ce qui ne peut pas être le cas pour le moment. Alors avant de parler des règles actuelles, peut-être situer les règles un peu plus anciennes, mais pas si anciennes que ça, que peut-être certains d'entre vous ont connues. C'était la situation avant 2018. Avant 2018, il n'y avait pas de score d'allocation que je vais vous présenter rapidement ensuite. Et le greffon était attribué à l'équipe greffeuse. Donc on recevait un coup de fil à Rennes en disant « Vous avez un cœur ». On pouvait accepter ou refuser le cœur. Mais ensuite, on choisissait nous-mêmes, moi, chirurgien, anesthésiste, réanimateur, cardiologue, on choisissait nous-mêmes, sur notre liste de greffes, le receveur que nous pensions le plus approprié, parce qu'il attendait depuis longtemps, parce que le gabarit était vraiment le plus proche, etc. Donc il y avait quand même une notion un peu d'appréciation subjective, en tout cas laissée à l'équipe. Ça, c'était vrai pour les malades sur liste classique. Il y avait quand même des greffons attribués directement aux patients, mais uniquement dans le cadre des priorités. Il y avait trois priorités qui existaient à l'époque. Il fallait toutes qu'elles soient avalisées par les experts. La SU1, c'était 48 heures, renouvelable une fois. En pratique, vous pouviez demander une SU, une super-urgence de type 1, si vous étiez sous amine ou sous assistance circulatoire mécanique temporaire, essentiellement l'ECMO. La SU2, c'était pour les assistances de longue durée compliquées. C'était essentiellement les infections de pompe et les thromboses de pompe. Et la SU3 existait pour les patients sous cœur artificiel total ou en assistance biventriculaire stable, non compliquée, mais qui pouvait demander une priorité au bout de 2 à 3 mois d'assistance. Donc il y avait pas mal de critiques. Les critiques essentiellement, c'était que il y avait un petit peu de subjectivité pour l'équipe greffeuse qui devait faire son choix. Parmi les receveurs, on priorisait une conduite à tenir. C'est-à-dire que le simple fait d'être sous 5 gamma de domu vous donnait la SU1. Mais être sous ECMO aussi vous donnait la SU1. Donc ça ne différenciait pas très bien la gravité finalement des malades. On priorisait la conduite à tenir. Ça a fait un appel d'air assez redoutable à la SU, notamment à la SU1. 30% des patients passaient en SU1, et on avait l'impression que c'était un peu trop utilisé pour ne pas dire fourvoyé. Et il y avait aussi une hétérogénéité des avis d'experts, quant aux prolongations éventuelles de super-urgence, passer au cœur artificiel total, à l'assistance biventriculaire, mais sans pouvoir y revenir. Donc pour toute cette raison, il y a eu une modification et la création, depuis le 1er janvier 2018, d'un score d'allocation. Donc maintenant, il y a un listing national, tous les patients sont sur liste. Le but, c'est d'essayer d'avoir une appréciation la plus objective possible
du risque de décès, donc de la gravité des malades, pour pouvoir donner les greffons aux malades les plus graves. C'était aussi pour optimiser un petit peu le matching et l'appariement donneur-receveur. Il est évident que lorsque vous étiez en SU1 48 heures, l'appariement donneur-receveur sur une durée aussi courte était moins bon. C'est aussi d'éviter les greffes inutiles et futiles, puisque avec ce score d'allocation, les propositions ne vont être faites que si vous avez une survie prédite de plus de 50%. Donc si vous avez 90% de mortalité annoncée, vous pourrez être sur liste, vous aurez un score, mais vous n'aurez pas de greffon, parce que pour pouvoir bénéficier d'un greffon avec ce score, il faut que votre survie prédite soit d'au moins 50%. Et puis la géographie compte, à mon avis, beaucoup plus qu'avec l'ancien système. Donc il y a quatre étapes. Brièvement, il y a un index de risque cardiaque que je vais vous présenter, qui est quelque chose d'un peu brut, et qui ensuite va être un petit peu, on va dire, pondéré, en fonction du type sanguin, de la surface du gabarit, de l'âge, et aussi des distances d'ischémie, de la géographie dont je vous parlais. Donc tout ça est passé à la moulinette, et vous arrivez à ce système de score. Alors je m'excuse, hein, je vais parler essentiellement de l'adulte, hein. Bon, la pédiatrie, c'est un peu différent. Ils sont en permanence devant les adultes de toute façon. Donc, je reviens sur l'adulte. Le score, il va de 0 à 1051 points. Et là-dessus, tous les patients français sont listés et vous avez 584 points, 928 points et vous êtes sur la liste. Le score dont je viens de vous parler, le score de risque, il est calculé uniquement, ça c'est important, critiqué et critiquable, mais c'est ainsi, avec quatre paramètres, dont trois sont biologiques. L'hépatite natriurétique, donc le BNP, qui reflète votre insuffisance cardiaque. Le débit de filtration glomérulaire, qui reflète votre atteinte rénale éventuellement associée. Et la bilirubinémie, qui reflète l'atteinte hépatique, donc les défaillances d'organes associées finalement. Et puis un autre critère, qui est un critère dur, mais il n'y en a qu'un sur les quatre, c'est l'ECMO. Et être placé sous ECMO vous donne d'emblée 900 points. Alors, il y a évidemment des raccourcis, des expertises possibles et des priorités possibles. Les experts qui existaient déjà avant existent toujours et on peut délivrer, sur avis d'expert, 900 points, soit d'emblée immédiatement, soit sur 3 mois. Lorsque c'est sur 3 mois, c'est donc 300 points par mois. Et vous avez ici listé les principales indications d'expertise actuellement, la thrombose de pompe, on est dans l'assistance chronique, hein, la dysfonction de pompe chronique, les orages rythmiques, les saignements sous pompe, les infections de pompe, les contre-indications à l'assistance circulatoire mécanique. En sachant que passer les 900 points d'emblée à 3 mois reste quand même également à l'appréciation des experts sollicités. Donc on a changé complètement de paradigme, ça se veut efficace, ça se veut plus équitable, ça se veut plus transparent et ça se veut plus réaliste. Avantages, inconvénients de ce score. Alors là, je m'excuse également, ces avantages et inconvénients sont, c'est mon point de vue, hein. Ce n'est pas forcément partagé par tous. Moi, je trouve ça plutôt bien que le greffon soit directement attribué au patient. Et pour ma part, je ne reviendrai pas à l'ancien système. Je trouve ça bien qu'on ait un classement national et que la priorité soit donnée aux patients les plus graves. J'apprécie l'appariement à l'âge et la prise en compte de la géographie. Il faut, et ça c'est un avantage aussi, on peut, les choses étant mouvantes, vous pouvez, et il faut d'ailleurs, mettre à jour régulièrement votre score, donc mettre la bilirubine, la créate, etc., l'état de votre patient sur cristal, pour le faire remonter dans le score, si possible. Donc pour les patients qui sont stables, c'est fait en général tous les 3 mois lorsqu'ils viennent à l'hôpital de jour. Si vous avez des patients instables en réanimation, il faut le faire tous les 3 jours et pas tous les 3 mois. Les inconvénients, c'est que je trouve que ce score est trop biologique. Moi, j'aurais bien aimé un index cardiaque, un critère hémodynamique dur. Je trouve qu'il y a trop de biologie. Le poids de l'ECMO est très important, hein. Le simple fait d'avoir l'ECMO vous donne 900 points. Ça fait aussi un appel, je pense, pour l'ECMO. L'appariement à l'âge, c'est bien et c'est pas bien. Parce que parfois, j'ai un jeune au 11e jour sous ECMO, un greffon de 65 ans, s'il a 20 ans, ben, je l'aurais peut-être pris quand même plutôt que passer un cœur artificiel total. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. La géographie, c'est pareil.
Je pense que ça privilégie peut-être des régions assez centrales dans le territoire français. Si vous êtes à une extrémité du territoire, en termes de distance, ça peut sûrement vous être plutôt défavorable. C'est bien pour mettre à jour le score, mais il ne faut pas oublier, et des fois dans la vie quotidienne, quand ça tombe le week-end, le dimanche, on a parmi un jour, voilà, on peut perdre des points, donc il faut être très vigilant là-dessus. Et puis, les assistances monoventriculaires gauche étaient quand même un peu les oubliés de ce score, puisque lorsque vous avez une pompe d'assistance, vous normalisez normalement ou quasiment votre BNP, vous normalisez votre fonction rénale, vous normalisez votre bilirubine, et on vous a retiré l'ECMO puisqu'on vous a mis l'assistance de longue durée, si vous l'aviez. Donc finalement, les assistances monoventriculaires gauche, c'était la double peine. Vous n'aviez pas la greffe tout de suite, il fallait passer par la case longue durée, et ensuite, dans la case longue durée, ben, vous étiez un petit peu dans une impasse avec des difficultés à rejoindre le circuit de greffe. Ça a été modifié en 2020, et maintenant, tous les 5 greffons, le sixième est attribué à un patient sous assistance, mais je ne suis pas complètement convaincu personnellement que cela suffise à vider notre stock, entre guillemets, même si l'expression n'est pas très belle, de patients sous LVAD. En tout cas, il faudra vraiment qu'on regarde cette population attentivement dans les années à venir au groupe thorax, à l'Agence de la biomédecine. Je vous ai mis les caractéristiques en 2022 des patients inscrit en liste de greffe en France. Alors, je vous ai mis le tableau, mais je vous ai ressorti parce que c'est sûrement illisible sur vos écrans. Je vous ai sorti quelques points importants, à mon avis, en 2022. Regardez les patients inscrits en greffe cardiaque en France. 43% sont hospitalisés, non seulement hospitalisés, mais en soins critiques. 15% sont sous ventilation mécanique. Presque 1 sur 4, quasiment 25% sont sous ECMO veino-artériel. 11% sous inotrope, 10% sous assistance circulatoire mécanique de longue durée, 1 sur 2 a un DFG inférieur à 60 millilitres par minute. Donc, en 2022, dans notre pays, on greffe encore, avec ce système d'allocation, hein, avec ce système de score, des patients particulièrement graves. C'était, vous me direz, ce qui était souhaité. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est souhaité, mais il faut qu'on soit très vigilant à la survie. Vous voyez, à l'heure actuelle, à l'UNOS, par exemple, les chiffres actuels récents sont de 90% de survie, hein, à 1 an. En France, c'est les chiffres les plus récents que j'ai trouvés. La survie à 1 an actuellement sur la période jusqu'en 2021, elle est de 77%. Donc, il faut trouver le juste milieu entre donner les greffons aux malades les plus graves, mais sans altérer trop notre survie. C'est pas qu'on est moins bon que les autres pays, c'est juste qu'on ne greffe pas les mêmes malades. Attention aux comparaisons, hein. Quand vous comparez les chiffres de survie entre la Grande-Bretagne, Eurotransplant, la France, l'Asie et les États-Unis, regardez bien surtout la population de patients greffés et le système d'allocation qui souvent n'est pas le même. Un petit mot sur l'ECMO véno-artériel. L'ECMO véno-artériel, c'est un outil qui se développe énormément depuis 10-15 ans dans les pays occidentaux en général, et c'est très utilisé en France. Il y a une culture de l'ECMO véno-artériel en France qui marche sûrement très bien avec plein de bonnes choses. Ça vous donne 900 points d'emblée. Mais attention, cette priorité que vous donne l'ECMO, ce poids majeur que vous donne l'ECMO dans le score, ne va être valable que 12 jours. Retenez que le jour de la pose de l'ECMO, c'est le J1. Pardon, j'ai mis J0, c'est une erreur. C'est J1, il n'y a pas de J0. Et ensuite, donc 12 jours, ça va relativement vite s'il faut récupérer le rein, récupérer le foie, réveiller le malade pour voir s'il est bien Glasgow 15, lui faire un body scan. On arrive vite au sixième, septième jour pour décider de est-ce qu'il est greffable ou pas. Et il ne vous reste plus que 4, 5, 6 jours sur liste. À partir du 12e jour, il perd 10% par jour, donc à peu près 100 points par jour. Et au 17e jour, votre malade sort de liste, l'idée étant de passer à autre chose et de passer plutôt à l'assistance circulatoire mécanique de longue durée si votre malade est encore implantable, parce qu'on se trouve alors, et c'est un des problèmes qu'on a dont on pourra discuter, dans un cas particulièrement difficile, on envisage l'assistance de longue durée chez un patient intubé souvent, ventilé souvent, avec plus de 2 semaines d'ECMO, des cathés partout, peut-être un peu d'infection sur un cathé et des problèmes hémorragiques. Et là, maintenant, il faut envisager
de mettre en place une assistance circulatoire mécanique de longue durée, c'est critiqué et critiquable. Quelques généralités quand même pour ceux qui s'interrogent sur les experts. Alors c'est qui, c'est quoi ces experts en cardiaque en France? Nous sommes une vingtaine, je ne sais pas exactement le chiffre, mais une vingtaine. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai trouvé sur le site de l'agence hier en 2022 410 greffes. Alors je compte que il y a une greffe hors tour, hein, je l'ai retirée. Il y a 293 greffes, 71,5%, pour lesquelles il n'y a pas eu besoin d'experts. Donc les trois quarts passent, on va dire, quasiment sans avis d'experts. Mais vous voyez quand même presque 30% hein, des greffes cardiaques réalisées l'an passé ont nécessité un avis d'experts. Je vous rappelle que ces experts peuvent délivrer 900 points d'emblée ou sur 3 mois. Les principales indications d'avis d'experts, je vous les ai mis également sur la partie droite de la diapositive. Vous voyez, en 2022, l'année dernière, contre-indication au dispositif d'assistance circulatoire de longue durée, la ligne du haut sur le tableau du haut, 36% des demandes d'experts, par exemple. Donc, les principales demandes, c'est les contre-indications au dispositif d'assistance circulatoire mécanique de longue durée, et ça va être l'orage rythmique, actuellement en France. Il y a toujours des histoires de chasse, ce que j'appelle les moutons à cinq pattes, pour lesquels on peut être sollicité, pour lesquels on peut nous demander notre avis. En théorie, ce n'est pas toujours le cas. Le centre qui demande l'expertise et l'expert sont anonymes. En pratique, parfois, il nous est arrivé, pour avoir des renseignements plus précis ou pour discuter d'un cas, d'avoir le centre au téléphone directement. On est censé être joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On n'a pas d'obligation, hein, mais lorsqu'on prend nos congés, par exemple, on nous demande nos absences, etc. Si on ne répond pas, qu'on est au bloc ou qu'on est au cinéma, on ne répond pas. Mais on peut être sollicité en permanence. Cette expertise n'est pas rémunérée, on fait ça gratuitement. Et un des soucis, un des problèmes qu'il y a, c'est qu'il reste encore des hétérogénéités, hein, même s'il y en a moins qu'avant, je pense, entre les experts. Et on regarde ça régulièrement quand même. Là, on vient de le faire assez régulièrement avec l'agence de la biomédecine il y a 18 mois à peu près. Voilà, l'expert peut également demander un deuxième avis, voire un troisième avis s'il hésite. Et le demandeur aussi, si vous n'êtes pas d'accord ou si vraiment vous êtes très mécontent, vous avez le droit de demander un deuxième expert. Sachant qu'il y a également le médecin du PNRG, de la plateforme nationale de régulation des greffes de l'ABM, qui peut aussi être sollicité, qui a également un rôle de tri et de décision. Hein, le médecin de l'agence de la biomédecine elle-même, ils ont une astreinte également. Voilà, pour finir. Je ne voudrais pas être trop long, peut-être garder un peu de place pour la discussion. Il n'y a pas de mauvaise politique de santé ou d'attribution des greffons. C'est juste qu'il n'y en a pas pour tout le monde et que donc il faut faire des choix. Ces choix peuvent être différents selon votre culture, votre société, les modes de remboursement, l'accès à la greffe. Certains pays mettent beaucoup plus de machines que d'autres, pas forcément parce qu'ils croient plus à la machine, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils n'ont pas l'accès à la greffe. En France, nous avons une politique que je juge encore très libérale. La greffe est le traitement de référence, reste le traitement de référence. C'est ce qu'on essaye de faire en première ligne. Tous nos patients sous ECMO ont les greffes, si on peut. Il faut quand même être vigilant sur les résultats avec ce système d'allocation. Nous avons des résultats un peu moins bons, mais nous les acceptons, hein. Ils sont pas si mal compte tenu des résultats qu'on greffe, des patients qu'on greffe, hein. Mais il faut quand même être vigilant à ne pas descendre trop bas, à mon avis. Mais ça, l'agence le fait très bien. Il faut savoir différencier l'intérêt à l'échelon individuel pour un malade et pour la société en termes de bénéfices, de rentabilité, entre guillemets, de cette manœuvre et de cette thérapeutique d'exception. Il faut regarder régulièrement les expertises délivrées et vérifier qu'il n'y ait pas trop de différence selon les experts et qu'on reste à peu près dans les clous. Moi, on est un certain nombre à se poser la question de notre protection juridique. Imaginons une famille qui porte plainte, le patient est décédé parce qu'il n'a pas eu il n'a pas eu la super urgence, la priorité. Est-ce qu'on peut être mis en cause ou pas? Je ne sais pas. Et puis certains pays, notamment les anglo-saxons, notamment les États-Unis, ont un paradigme, une vision complètement différente de la greffe, où eux, en première intention, ils vont proposer la machine de longue durée à tout le monde. Parce qu'on l'a sur l'étagère, elle est facile, elle est accessible, il faut payer certes, mais on l'a à volonté. On met les machines à tout le monde et on garde la greffe comme un trésor, comme un diamant pour le malade qui aura un souci
pendant la route, il aura un souci. On garde la greffe comme une roue de secours, comme un backup. C'est pas, vous l'aurez compris, la vision actuellement en France, mais ça peut être discuté avec vous si vous le souhaitez maintenant, parce que je crois que c'était ma dernière diapositive. J'espère avoir répondu à peu près aux questions. Je suis resté assez général et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci à toi, Erwan. Merci beaucoup pour ce topo. L'objectif était de rester général et d'amener les informations pour clarifier, parce que tout ce qui est pas clair fait craindre des problématiques et fait douter de l'organisation. Et c'est ce qui pêche un peu en partie, il me semble, avec l'Agence de la biomédecine, notamment avec des questions récurrentes sur ses expertises. Que vous venez de revoir justement pour voir si ça s'harmonise un petit peu sur les avis donnés, puisqu'elles ont une place, comme tu l'as dit, c'est 1 sur 3, 3 globalement, et sur ces fameux experts dont il est toujours très étonnant. Donc on sait certains, puisqu'ils sont très actifs au sein de l'Agence de la biomédecine et très actifs comme toi sur le topic de la greffe ou de l'assistance. Et puis il y en a plein d'autres, en fait, on ne sait absolument pas qui c'est. Il n'y a pas de liste officielle. Et donc c'est vrai que c'est important un petit peu de savoir comment ça fonctionne, puisque Mais comme tu rappelles sur ton titre, c'est des règles du jeu en fait. oui. Alors moi-même, je ne peux pas. Je suis expert depuis plus de 10 ans, mais moi-même, je n'ai pas Clément. Je n'ai pas le. Je ne sais pas tous les experts qu'il y a. Je ne les connais pas tous. Je ne sais pas combien on est. Je ne sais pas si on est nommé à vie. Pour combien de temps? Moi, on m'a jamais demandé. Voilà, ça fait plus de 10 ans. De tête, je crois que j'avais pris la place de mon patron. Et c'est vrai qu'on l'a signalé à plusieurs reprises, mais je ne manquerai pas de le redire. Et tu es avec moi au groupe Thorax, il faut qu'on le redise. Il faut qu'on ait plus de clarté, clairement, savoir s'il y a des mandats, si tout ça, j'en sais pas plus. Donc là, j'ai expliqué les règles du jeu de l'expertise et du score en France. Mais sur les modes d'élection, de choix, et des mandats des experts, là, j'avoue que j'ai pas beaucoup de. Je peux pas en dire, je suis un peu comme toi. Et je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui sache exactement. Je sais pas si c'est écrit quelque part. J'ai regardé hier soir, parce que je vous ai mis à la fin, je crois, le livre, là, le guide du scorecard. Il est en anglais, mais il est en français. Vous le trouverez en PDF. Je sais pas si on voit mon écran, là. On le voit, ouais, tout à fait. Oui. Donc là, je l'ai bien épluché encore hier soir avant de faire cette présentation. Je n'ai pas de, il y a rien d'écrit spécifiquement sur le choix et la durée des experts choisis, etc. Ben, déjà, on a pas mal avancé avec ce scorecard, je pense, et tu l'as dit, sur le fait que ça soit quand même plus carré, plus borné, plus visible et donc plus compréhensible. On a décalé quand même le médecin qui était critiqué comme participant grandement à l'implémentation du niveau de son patient par la dobutamine. En partie, quand même, on l'a déplacé avec l'ECMO, même si l'indication est quand même moins large que la dobutamine parce qu'elle implique des complications potentielles. Et ce chrono est probablement quand même un garde-fou important, même si en pratique, tu nous l'as rappelé, et c'est du quotidien, c'est pas évident parce qu'un patient à choc cardiogénique, en 12 jours, arriver à le faire atterrir, si je puis dire, corriger le rein, le foie, évaluer la tête, voire, c'est pas si simple. Après, est-ce qu'il faut pas aller un peu plus loin? Et c'est une des questions et des limites potentielles de l'Agence biomédecine qui est centrée sur l'organe et la transplantation cardiaque. Et comme tu le dis, on en parlait encore récemment en congrès ensemble avec Guillaume aussi, l'assistance qui est disponible sur ton étagère, hein, dans ton service, qui est peu utilisée et même de moins en moins utilisée sur ces dernières années en France. Est-ce qu'il ne faut pas lui redonner sa place? L'assistance, ça coûte cher, mais la greffe aussi. On ne jette pas de greffon, ça permet pour une majorité de patients, pas ceux qui sont en défense biventriculaire encore, mais en tout cas sur du mono-VG, est-ce qu'il est encore logique de les amener par une greffe, à une greffe par une assistance aiguë? Ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas les faire atterrir à J2, J3 de l'ECMO par un LVAD, plutôt que de le faire à J17 une fois qu'on n'a pas eu la greffe? Mais pour ça, il faudrait qu'on ait. Oui, je suis d'accord. Après, un des risques, en fait,
c'est que tout le monde veut passer par la greffe en premier parce que c'est vrai que ça reste le traitement de référence. C'est vrai que c'est super de greffer ces malades en direct. Mais en ayant cette politique-là, le problème, c'est que l'accès à la greffe est quand même très restreint. C'est un petit trou de serrure, la greffe. Et en ayant cette politique-là, on va se retrouver avec une grosse population qui ne va pas rentrer dans le trou de serrure. Et là, on va proposer l'assistance en seconde ligne dans des conditions difficiles où on va perdre plus de malades qu'autre chose au final. Quand on fait la somme, ce qu'il faut voir, c'est le trou de serrure, c'est la greffe. Et il y a une porte grande ouverte à côté, c'est l'assistance. Alors, elle est moins belle, elle est moins. Elle a plein. Mais au final, le cheptel, la population globale, ce qu'il faut regarder, c'est combien vivent, survivent avec une qualité de vie à peu près correcte. Si on essaye de faire passer tout le troupeau par le trou de serrure, au final, on risque d'avoir plus de pertes globales que si on oriente aussi une partie du troupeau. Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Ce que je dis, enfin, moi je me comprends, Si, j'espère c'est que je très comprends clair. mieux. Et je Mais pense que voilà, Guillaume va revenir s'il en fait, peut. il faut considérer les deux options. Il faut avoir les deux options si on raisonne au niveau de la société, de la population générale, et dire, bien sûr que le mieux, c'est d'avoir la super voiture qui roule bien. Mais enfin, si tout le monde, si pour avoir la super voiture qui roule bien, on ne donne pas les vélos ou les bus aux autres, au final, on n'a rendu service qu'à une petite partie de la population. Erwan, moi je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire et ça soulève des questions. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui en France qu'il y a des centres qui ne mettent pas d'assistance et qui greffent. On sait quand il y a des patients qui refusent l'assistance et qui n'acceptent que la greffe. Est-ce que tout ça ne devrait pas rentrer dans une stratégie nationale guidée par l'agence? Parce qu'on voit actuellement qu'il y a peut-être moins de différence entre la dialyse et la greffe rénale. Il y a une sorte de discussion qui est plus forte entre les différents acteurs qu'on n'a pas actuellement. Voilà, on n'a pas de stratégie globale de prise en charge de ces patients en soins cardiaques graves en disant, ben voilà, maintenant. C'est vrai, mais ça veut dire que ça impliquerait, c'est Guillaume, je crois, qui parle, ça implique c'est pas seulement changer des textes ou des décrets, là je crois, mais je peux me tromper, hein, encore une fois, c'est mon point de vue, hein. On touche à quelque chose de culturel, de viscéral en France. C'est la greffe cardiaque, c'est les ECMO, c'est la super urgence, c'est la sécurité sociale, c'est les SAMU, c'est cette donnée tout de suite le maximum, voilà. Et c'est changer de paradigme. Et c'est compliqué à mon avis, hein. Mais il faut qu'on y arrive parce que on voit bien que la greffe ne on fait pas non plus 3 000 greffes par an en France et on les fera pas tout de suite les 3 000 greffes par an en France. Et à côté de ça, on a des patients qui pourraient bénéficier d'une thérapeutique. Donc il faut qu'on arrive à changer petit à petit de paradigme, mais c'est par ce type d'enseignement. Il faut qu'on participe aux discussions au groupe thorax et que de façon active, on intervienne là-dessus. Les associations de patients, les congrès, il va bien falloir qu'on se rende à l'évidence. Je pense que malheureusement, la transplantation ne pourra pas être donnée à tout le monde. J'ai une autre Surtout que, question par en tous les rapport à cas, ça ça. dit. Vas-y, pardon. Pardon. Effectivement, tu l'as bien dit, en France, on a choisi de greffer les plus graves. J'aimerais avoir ton avis. Finalement, la bonne stratégie, ce n'est pas d'essayer de potentialiser le nombre de survivants entre ceux qui vont mourir avant et après, et que ce cut-off de dire qu'on vise une survie à plus de 50%, il est beaucoup trop bas, et que finalement, on greffe des gens. Alors, je ne sais pas comment le terme, mais moribonds, qui ont une chance de s'en sortir très faible, et que finalement, si on veut avoir la meilleure rentabilité, il faut pas que viser les plus graves, mais aussi trouver le juste milieu, et tu l'as bien expliqué. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas encore la stratégie actuelle. Ben, en même temps, les statistiques, les résultats, on est tous d'accord pour dire qu'on grave des malades particulièrement sévères, certains moribonds, etc. Moi, je ne regarde qu'une seule chose, c'est la survie à 1 an. Et pour l'instant, elle est de 77%. Alors, on peut dire, c'est bien moins que les 95% ou 96% américains, australiens, etc. Mais est-ce que c'est acceptable ou pas à l'échelle de la société? Et ça, c'est une décision collective. Moi, je trouve que pour l'instant,
77%, c'est pas si mal. Je pense que, rappelez-vous, alors vous n'avez peut-être pas connu, mais nous avions 71% de survie il y a un an en France, hein. Et on est passé à 80 en rajoutant juste un clic dans Cristal, hein. On a rajouté qu'il fallait avoir 40 de clairance de créatinine pour être greffé. Et avec juste ce clic, cette croix, juste cocher ça, on a fait un tel tri qu'on est passé de 71% à 80%. Après, on peut décider de dire, bah maintenant, il faut plus être ventilé. Et là, on va passer à 84%. Donc, c'est nous, c'est la société française qui décidons où est-ce qu'on met la barre. Et je trouve que bon, moi, et là, c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire. Tant qu'on a au-dessus de 75%, bon, 70, mais là, ça va dépendre encore une fois selon qu'on se place à l'échelle individuelle ou sociétale. C'est exactement ça. C'est cette échelle-là qui a évolué un petit peu. Et en tout cas, avec Guillaume, je pense qu'on a un peu le Mais même ça a regard. baissé, hein. Ça a baissé, Clément et Guillaume. On était à 81% il y a un an ou deux, 79, 77. Donc Mais il faut quand même être vraiment, il faut le vraiment le score, il va dans regarder ce sens, oui. annuellement, hein. C'est pour ça que peut-être la réflexion à plus large échelle de dire. Là, on regarde qu'une population, c'est celle qui est greffée. Et en effet, ils sont gravissimes, ils ont 77% ou 80% à un an, c'est bien. Mais à l'échelle de la société, on ne considère absolument pas l'ensemble de la population en insuffisance cardiaque avancée. Exactement. Et c'est vrai que c'est ce qui manque à l'heure actuelle, c'est Moi, d'avoir je tous pense ces facteurs. que les candidats à la greffe et les candidats à l'assistance devraient être les mêmes. C'est la même population et il y a deux sorties possibles dans la pièce. Vous les mettez tous dans la pièce. Le but du jeu, c'est qu'il y en ait un maximum qui sortent de la pièce. Vous avez la fenêtre et vous avez le trou Exactement de ça. serrure. Vous avez la Le fenêtre, problème. vous avez le trou de serrure. Et là, actuellement, on s'obstine à vouloir tous les faire passer par le trou de serrure. Mais j'ai bien peur qu'au final, on en perde. Donc certes, la fenêtre, c'est peut-être un peu moins bien que le trou de serrure, mais il faut quand même dire, enfin, le but du jeu, c'est quand même qu'il y en ait un maximum qui soit sorti de la pièce. C'est tout Et ça, le débat. on n'a pas cette Et c'est chance-là. vrai que c'est la question de, à la fois de prioriser le mono-VG vers le LVAD et donc de ne pas les prioriser pour la greffe, de prioriser l'aigu instable qui aura le moins bon pronostic post-greffe vers de l'assistance et pas vers de la greffe. Et ça, c'est un choix qui doit se faire au niveau du groupe thorax, mais il faut du coup considérer ce qu'il y a autour et ce LVAD. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on arrive à faire rentrer cette lorgnette dans le groupe thorax pour essayer Mais d'avancer probablement. je pense qu'une tribune, en dehors de l'agence, hein, je parle, hein, un colloque, un séminaire de cardiologues, de chirurgiens, éventuellement de patients insuffisants cardiaques, de philosophes, d'éthique, enfin, voilà, ça justifierait, comment ils appellent ça, les Grenelles, etc. En associant l'agence pour voir, voilà, c'est un problème de société. Et est-ce qu'on garde ces règles-là? Est-ce que ça convient toujours à notre société actuelle? Est-ce qu'on est en accord avec ça? Ou est-ce qu'on, maintenant, il y a de l'assistance, qu'il y a des résultats quand même très honorables? Est-ce qu'il n'est pas le temps de, mais tous ensemble, de dire, on décide de changer de philosophie? Mais je pense qu'on n'a plus qu'à faire C'est ça. ambitieux, mais on pourrait, c'est ambitieux, mais on pourrait imaginer que les sociétés savantes Ouais. génèrent cet espace de réflexion pour notre société. Mais encore une fois, il faudrait y associer, je pense, des patients, des soignants, pourquoi pas des philosophes, des gens de l'extérieur. Ce serait intéressant qu'on ait cette discussion. Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, on va lancer ça. Merci beaucoup, Erwan. On va Merci à continuer vous. avec Valentin. Merci. Merci beaucoup pour tous ces échanges qu'on va donc continuer avec Valentin Dupasquier de Montpellier, qui va nous parler de l'adressage vers le centre tertiaire. Alors, c'est un débat là aussi qui est fort intéressant. Et donc, on est ravis de t'avoir avec nous, Valentin, et avoir un regard un peu différent. On a tous nos avis, je pense, Erwan, Guillaume et moi, et puis les autres présents. Donc, à toi la main.